Et salut à tous, on se retrouve pour le petit tournoi, bien sûr, en ego. On essaye d'être rapide, puisqu'on n'a jamais le temps de faire des trucs, donc bon. Espérons que ça passe. Ok. Oui, qui sont bonnes. Talent poursuite, ok, c'est parti. Allez, à tout de suite. Ok, on trouve un adversaire, il s'agit de Azazel. Il a attention. Contrôle OP. Accélération de résistance. Le niveau de sourd a pu être plus correct aussi. On va plonger sur son main feu. Si tout va bien. Il a un rebond de défense. On va donc essayer d'attaquer. C'est pour un live. Essayons d'agresser un peu son mainframe. Ok. On relance. On trouve un autre match. Il s'agit de Ryu. Tentative de cut qui ne passera pas. On va plonger sur le même terrain. Prochain tour. Comme tout, bien sûr. Et on a réglé la question du bien. On tente toujours, donc que c'était sûrement pas nécessaire. De les ouvrir dans tous les cas. Bon, ça permet au moins qu'ils mettent pas de bouclier. Donc finalement tout va bien. J'ai toujours un premier attaque, j'avais un doute. Ce qu'elle parcuté d'ici chou, c'est d'augmenter leur première attaque. Je sais pas si celui-ci a cette particularité. On ne saura pas. Ah, c'est peut-être en étant percé. C'est peut-être ça. Et on est contre peur. Attention. Prochain tour, on va agresser qui? Manitaire, je dirais.
Ça c'est fabuleux que avec le Madari tape 3 personnes comme ça. Donc on agresse l'humanitaire, évidemment. Ok, peut interrompre. Catastrophe. Donc il esquive l'attaque sans l'arme devant Naruto. Ce qui fait que je n'ai pas reset. Surtout, on va essayer de ne pas se faire cuter, ce qui peut être complexe. Elle esquive d'Iruka. C'est pas bon. Malheureusement. Très malheureux. Allez. On va donc partir en team immortal. Sont-elles bonnes? Oui, formidable. Allez, on y va. À tout de suite. Ok, All of Pain. Bon, un petit repli. Petit repli. Ça serait peut-être pas mal que je dépense des pilules. Des talents, faut mettre ça à tout prix. Allez, on y retourne. À tout de suite. Qui okay, on est contre Pain. Oh, même pour moi, je pense. Ouais, c'est encore du même niveau que Fren. De combativité. Puis il est Tsunade, donc. Ouais, je vais pas pouvoir résister. Il va réussir à mettre
Donc Kekuzu 1 contre 4. Malheureusement, ça va pas le faire. Relique. Niveau des talents, c'est pas bon. Ok, ulti. Allez, on y va. Team de la dernière chance, bien sûr. Fifi. Ok. On peut mettre la barrière. Position assez semblable. Ouais, on peut prendre cette personne d'attaque là. On va essayer de. Peut-être qu'il est même terre, là-dessus, on a des. Sinon, la Tsunade, mais attention. Ok, il a pris 3 sur moi. On va essayer de plonger sur la tsunami du coup. De couper les soins. Prochain tour, on n'aura plus la barrière. J'essaie de remettre la barrière. Ok, je vais essayer de cutter la tsunami du coup. Du coup c'est moi qui vais me faire cutter peut-être. Je ne vais juste pas pouvoir récuter. Je diminue la vitesse mais. Ok. Attaquer beaucoup de fois par tour maintenant. Alors, t'as joué cette la Tsunade Sani comme ça. Ça va peut-être finir au bout. Côté 10 cette histoire. Attention. Ça va très certainement dans tous les cas en plus. Essayer d'agresser plus qu'on peut, bien sûr. Je
Je sais pas si elle a toujours l'immobilisation sur elle ou pas. Ça serait extrêmement important que ça soit le cas. Ah non, elle va pouvoir attaquer. Donc ce soit lui. Malheureusement. Poc poc poc. Va-t-elle finir par s'arrêter? Ok, finalement elle a réussi à s'arrêter. C'est absolument exceptionnel. Gara tangue bien. Ok, on va essayer d'y aller quand même. Pour éviter qu'elle se soigne trop, mais. Un petit peu de poison. C'est toujours plaisir. Alors ça serait formidable que mon Gaara puisse lancer sa barrière un moment ou un autre. Et vu qu'il a utilisé Kushina au tour précédent, il l'aura pas. Donc on peut se permettre de lancer la barrière pour optimiser les dégâts et de foncer sur la Tsunade. Pour être sûr qu'elle soit immobilisée. 9000. J'espère que j'ai du poison. Il y a du poison sur elle. C'était sportif. Allez, à tout de suite. Ok, on trouve un adversaire. Il s'agit de Hiroki. Ok. Son jeu est trop fort. Et ça va bien se passer. Bon. On a clairement l'avantage. On peut essayer de régresser de bain de vent pour empêcher sa production de clones. Prochain tour peut-être. Un petit sur une note peut-être. Parce qu'elle a beaucoup de PV vu qu'elle peut elle réussite d'entrée de jeu. Ok. En fait elle a deux barres de vie maintenant. Parce que la première fois qu'elle tombe à zéro, la barre sera remplie dans la totalité. Du coup c'est bien. Allez, à tout de suite. Ok, trouver un combat et on est contre Pain. Voilà. Bon, vu que c'est le dernier combat de la soirée, on va essayer de faire son coup. Même si je pense que ça va pas être un fou. Okay.
ça va être compliqué. Ok, renvoie les effets. Ça, c'est pas le choc. S'il me renvoie la paralysie dans la tête, ça va pas être exceptionnel. Hein. On a réussi. On a réussi à quitter à côté. Ça m'a été fou. On encaisse. Oui, tout de même. Je vais attendre l'attaque du Itachi. Pour pouvoir ressusciter le main, voilà, parfait. Donne tout ce qu'on peut, hein. Bien sûr, bien évidemment. Si je pense qu'elle va pas succomber, malgré tous nos efforts. Aïe aïe. Je pense qu'après cette attaque, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Effectivement, on est plutôt pas bien du tout, effectivement. Aïe 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 aïe. Bien joué. Est-ce qu'il va réussir à nous avoir? Eh bien, tout seul. Bien joué. Les bons dégâts du maraudeur à blanc. 4 victoires, bah écoutez, très bien. On s'est approché 5 victoires de la perfection, mais on s'arrête à 4, ce qui est un très très bon score. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.